Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars, et aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous avez pu le voir, un skill test. Donc on a déjà fait ces deux skill tests à CMG, donc un très 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 bon créateur. Et du coup, pourquoi pas faire son troisième. Donc du coup, je vous ai pas mis ma tête, je vous ai mis full gameplay. Là, ça n'est pas là parce qu'en ce moment on a trop de trucs à faire, donc c'est vrai. Je sais même pas si la salle a sorti une vidéo aujourd'hui d'ailleurs. Au passage, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien me dire. Pourquoi la salle n'a pas fait d'aujourd'hui? Pourquoi la salle de jeu? Voilà, parce qu'on a plein de trucs à faire. En tout cas, aujourd'hui, on est chaud, on est welly, on est steady, on est melly, on est fairy. Et comme on dit, une potato express, c'est pas mal aussi. Et là, on va faire un skill test en voiture. Donc vous aurez, comme d'habitude, le lien. Ok, je suis en train de glisser. C'est plutôt tendu ici. Vous aurez le lien en description. En tout cas, on va voir ce que ça donne pour l'instant. C'est pas mal, ça se passe plutôt bien. Ouh là là, une méga rampe. Alors attendez, méga rampe, il faut contrôler le véhicule, voilà. Ouais, je pense que c'est plutôt easy. Bon, ce qui est bien, n'oubliez pas dans les méga rampes, les gars, vous utilisez votre frein à main. Et n'oubliez pas un truc, je sais pas si la salle, bon, la salle vous l'avez déjà dit vous l'a déjà dit pardon, dans une vidéo. Le frein à main, il faut le mettre sur croix, les gars. Pour faire ça, vous allez dans option, vous inversez le frein à main. Et en fait, c'est beaucoup plus simple de le faire, de l'avoir sur croix. Que de l'avoir sur R1, ça vous permet d'accéder plus facilement à la touche et surtout dans les courses. Et bien du coup, hop, ok. Ouh la vache. Ok, pour l'instant ça va, j'enchaîne plutôt bien les gars. Alors j'ai pas en tour, donc je connais pas le parcours, rien du tout. Donc si jamais parfois je tombe ou quoi, et bien ça peut être normal hein, parce que je connais pas. Pour le coup, ok. Mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt pas mal. Alors d'ailleurs au passage je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui me demandent pourquoi je live de moins en moins en ce moment. Alors tout simplement parce que pour l'instant je suis plus trop sur BeLive. Je reprends un peu. Mais disons qu'en fait là j'attends l'ouverture du serveur avec la salle. Donc le serveur qu'on a créé avec la salle ainsi que Danny, Fox, etc. Tous les membres. Du coup qui va bientôt ouvrir au passage. Donc voilà, je vous spoil pas, mais en tout cas je peux vous dire que le serveur va être plutôt pas mal. Voilà, le frein à main. On a plutôt bien géré. Écoutez, pour l'instant, c'est un perfect. Ça se passe plutôt bien. Je suis pas tombé une fois. Est-ce qu'on va réussir un perfect tout au long de la vidéo? On verra bien. En tout cas, pour le moment, bah, je tombe pas, les gars. Donc, disons que ça se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ah, ici, il faut faire ça, les gars. Je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire. Je crois pas. Attendez, faut que je regarde ce qu'il faut faire là parce que j'ai pas compris. Du coup, je suis tombé. Ok, alors attendez. Faut que j'analyse tout ça. Faut que je rentre dans le tuyau, c'est ça? Il me faut aussi de la vitesse. Bon, après, c'est un peu bizarre de le prendre comme ça. Ah non, non, non! Ah non, faut pas le prendre en wall ride. Je crois qu'il y a un trou en haut, les gars. Ok. Alors, moi pour moi, on peut pas compter ça comme le fait que je sois tombé. Parce que je connais pas du coup. Hein. J'ai pas entendu, je vous ai dit, j'ai pas entendu le parcours, donc je connais pas le parcours, donc je peux pas vous dire si c'est hard ou pas. Mais je pensais qu'il fallait aller sur le côté en wall ride, mais en fait non. Faut juste aller là en haut. Oh my god, d'accord. Ok. Donc voilà, la preuve que j'ai pas entendu, que j'ai pas testé avant, les gars. Et du coup, pour le coup, eh ben. C'était ça qu'il fallait faire tout simplement. Et là, ouais, là par contre, là faut vraiment partir en wall ride. Là, je pense que c'est. Oula. Merde, je suis tombé. J'allais dire c'est beaucoup plus simple. Mais c'est qu'en fait, j'étais en train de regarder ce qu'il y avait après. Du coup, j'ai tourné la caméra. Et je me suis encore retapé le truc. Ok, c'est plus. J'ai vu rentrer dans le tuyau. Ouais, du coup, faut pas que je tourne la caméra en fait. Donc, ici, les gars, vous avez juste à faire ça. Voilà. Ok, c'est bon, j'ai eu le point. Je pensais qu'il fallait dans le show, mais en fait, on voit pas trop. Du coup, c'est dommage. Parce que quand on n'entend pas, et ben voilà comment ça se passe. Bon, voilà, vous voyez au moins comment ça se passe quand on fait un vrai délire, un vrai bail. En tout cas, on verra bien ce que vous faites comme temps dans les commentaires. Vous me donnerez votre temps. En tout cas, pour l'instant, je suis à 4 minutes. Et c'est plutôt pas mal. Oula, encore une méga rampe. Pour l'instant, ça se passe bien. Ok. Alors faire quoi ici? D'accord.
J'ai pas l'impression d'avoir déjà vu un truc du genre. Ok, 4 minutes 43, on est à 19 sur 29, il nous reste 9 points. Je sais pas si on a la fin ou pas, mais en tout cas, pour le moment, on est pas mal, on a 4 minutes 53 les gars. Et c'est plutôt pas mal, d'accord. Alors, honnêtement, je pense que c'est vraiment un skill test pour des joueurs un peu avec un niveau pas ouf ouf. Parce que pour l'instant, ça se passe plutôt easyment. Après, honnêtement, si je teste le parcours, forcément après je le fais plus facilement. Mais là, pour le coup, j'ai pas testé rien. Donc du coup c'est vrai que c'est plus compliqué de connaître les choses, de voir les choses. Après je dis pas que j'entends tous mes parcours, hein, mais j'entends pas forcément tous les parcours, je teste pas tout le temps mes parcours à l'avance. Parce que j'aime pas ça. Je préfère quand je teste comme là. C'est vraiment quand c'est beaucoup hard, j'aime bien le refaire deux fois. Ou parfois me donner des défis quoi. Bon en tout cas pour l'instant c'est plutôt pas mal. Hop, un petit coup de frein à main et on repart direct les gars, vous voyez? Ah là par contre. Waouh. Je suis rentré dans le trou en mode dégueulasse. Regardez-moi ça les gars. Regardez-moi ce trou, on peut même pas remonter. Ah ouais, le mec, en fait c'est un tourbillon quoi. Pardon, un tourbillon, je voulais dire. C'est un tourbillon. Faut aller où là? Alors, est-ce qu'il faut aller à droite ou à gauche? Eh bah écoutez, je suis droitier, je vais à la droite. Ok. What? 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 J'ai pas pu contrôler dans le truc, non, dans le tuyau. Ok. Attendez, mais dites pas que c'était un point troll. Alors, est-ce que à gauche, à droite, c'est la même chose? Je sais pas. Eh bien écoutez. On aura pardon, fini ce parcours, les gars, en 7 minutes. Alors, attendez, je vais regarder mon temps. 7 minutes 0,54, sachant que je me suis arrêté un petit peu à la fin et tout. Et surtout que je suis tombé dans des points qui ne valaient pas le coup. Alors, moi, honnêtement, je vais vous donner un petit challenge, parce que je sais que j'aime bien vous donner des petits challenges. Donc là, j'ai mis 7 minutes, mais je pense qu'on peut finir en moins de 5 minutes. En à peu près 5 minutes 45, 6 minutes, voire moins. Si on est vraiment chaud. Donc ce que je vais faire les gars, dans les commentaires, vous allez me donner votre temps. Je vous mets au défi de faire moins de 6 minutes. Voilà. C'est plutôt easy à faire parce que moi j'ai mis une minute de large, mais je suis tombé pas mal de fois quand même. Donc je vous mets au défi de faire moins de 6 minutes les gars. Et n'oubliez pas que si vous voulez jouer avec nous, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment on fait pour jouer avec vous, avec la salle et participer aux vidéos. Et eh bien sachez que vous pouvez jouer avec nous, vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre sur la chaîne ou devenir membre de la chaîne. Donc en gros c'est vous devenez membre de ma chaîne ou celle de la salle. De la salle, pardon, de la chaîne j'ai dit. Et du coup en fait tout simplement, eh bien vous devenez membre, vous jouez avec nous et vous participez aux vidéos, tout simplement. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Oh, on est allé une fois, abonnez-vous, vous avez le fait. Et puis bah j'ai envie de vous dire mes amis, au grand, le petit chamois est mort, le petit chamois est tombé, ciao ciao.